Alors, dans cette capsule, je vais te présenter la loi des sinus. Je vais t'expliquer pourquoi on peut utiliser la loi des sinus dans un triangle quelconque. Habituellement, quand on parle du sinus, du cosinus ou de la tangente, ce que j'avais mentionné en classe, c'était utilisable uniquement dans les triangles rectangles. Alors, pourquoi on peut utiliser la loi des sinus dans un triangle quelconque? C'est le but de la démonstration. Je ne vais pas, dans cette vidéo, t'expliquer comment utiliser la loi des sinus pour chercher des mesures manquantes. Ce sera dans une vidéo, dans la prochaine vidéo, dans le fond. Donc, je pars avec ici un triangle qui est quelconque, donc dans lequel il n'y a ni angle droit, ni mesure. Ce n'est pas un triangle isocèle. Ça pourrait être, dans le fond, n'importe quel triangle. La forme n'est pas vraiment importante. Peut-être pour bien comprendre le dessin, je l'ai mis comme ça pour t'aider, là, mais c'est un triangle quelconque. Okay? Donc, première étape, dans le fond, c'est de dessiner une hauteur issue d'un des trois sommets. Okay? Donc, je pars de B. J'aurais pu partir de n'importe quel autre, mais je pars de B. Dans le fond, une hauteur, c'est un segment qui est perpendiculaire à la base. Donc, dans la base, dans ce triangle-là, c'est le segment AC. Donc, on remarque ici un bel angle droit. Alors, qui dit angle droit dit triangle rectangle. C'est dans un contexte comme celui-ci qu'on va utiliser le sinus. Donc, première étape, c'est d'établir le sinus de l'angle A, qui est juste ici. Sinus de l'angle A dans le triangle ici, c'est la mesure du côté opposé, donc H1, sur la mesure de l'hypoténuse C, ce qui va me donner ici le premier rapport, sin de A, qui va être égal à H1 sur C. On continue, on isole dans le fond la hauteur. Là, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu vas comprendre un peu plus loin pourquoi je te demande de faire ça. Dans le fond, j'ai isolé H1, donc je multiplie les deux côtés de l'égalité par C, ce qui va me donner C fois le sinus de A. Je refais la même chose de l'autre côté, dans l'autre triangle. Donc, dans l'autre triangle, j'ai l'angle C. Par rapport à mon angle C, j'ai H1 sur A si j'établis le sinus de l'angle C. En isolant encore une fois H1, on va obtenir A sin de C. Prochaine étape. Étant donné que H1 est égal à H1, je vais procéder par comparaison. Ici, pour dire que C sin de A va être égal à A sin de C. Et là, je vais isoler. Non, en fait, je n'isolerai pas. Je vais simplifier comme ceci, en divisant les deux côtés de l'égalité par AC, pour au final obtenir sin de A sur A, qui est égal à sin de C sur C, parce que le C qui est ici se simplifie avec le C qui est là, donc il me reste sin de A sur A. Et à droite, le A et le A ici vont se simplifier pour avoir sin de C sur C. Ça, c'est une première proportion. Okay? Deuxième proportion. Donc, je cache cette étape-là. Je fais apparaître une autre hauteur, H2, qui n'est pas égale à H1. C'est une autre hauteur. Et j'applique les mêmes étapes. Donc, j'établis sin de A et sin de B. En isolant, on obtient sin de A sur A est égal à sin de B sur B. Je fais apparaître ici les premiers calculs, donc sin de A sur A qui est égal à sin de C sur C. Donc par transitivité, on va pouvoir affirmer que sin de C sur C va être aussi égal à sin de B sur B, étant donné que tous les deux sont égaux à sin de A sur A. Donc on a notre fameuse loi des sinus qui est ici, donc sin de A sur A qui est égal à sin de B sur B qui est égal à sin de C sur C. C'est notre loi des sinus. Si je m'en viens ici, j'ai un beau triangle quelconque, encore une fois. Donc, je vais juste mettre en évidence les différentes mesures. Tout bouge. Hein. Je peux changer les mesures. Tu vois que les angles bougent, les mesures de côté changent, mais que cette égalité-là persiste. Donc, 0,17, 0,17, 0,17, sin de A sur A, sin de B sur B, sin de C sur C. Donc, peu importe les mesures qui sont ici, en bougeant le triangle, on se rend compte que c'est toujours égal au même rapport. C'est ce qui me permet aussi de dire notre fameuse conclusion que sin de A sur A est égal à sin de B sur B est égal à sin de C sur C. Voici la loi des sinus.